Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va voir comment monter les poignées sur un guidon. Il y a plein de techniques différentes. Moi, j'en ai une qui est super simple, avec de la laque. On va voir ça tout de suite. Bon, alors pour commencer, les poignées, elles sont sur le guidon. On va les enlever. Je prends un tournevis. Ce que je vais faire, je vais soulever la poignée, mettre le tournevis dedans comme ça. Je la soulève. Eh bien, je fais ça. Je soulève la poignée. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma laque. Je pulvérise un tout petit peu dedans. Et du coup, hop, elle sort facilement. Pourquoi de la laque? Parce que la laque, quand vous la mettez dans la poignée le premier coup, c'est liquide. Donc ça va vous aider à faire glisser la poignée sur le guidon. Et après, quand elle va sécher, ça va faire comme sur vos cheveux. Ça va devenir comme du gel. Vous mettez une pulvérisation dans la poignée. Ça glisse tout seul. Une pulvérisation. Et je la mets en place. Après, au début, après avoir mis la laque, c'est normal qu'elle tourne un peu. C'est parce que ça reste liquide dedans. Au bout d'un moment, ça va sécher et coller. Vous laissez, je sais pas, un petit quart d'heure, vous réessayez. Et si ça bouge tout le temps, si ça bouge toujours, et là elle tourne bien. Hein. Si ça bouge toujours, c'est que vous en avez trop mis. Il faut la réenlever. Attendre un peu que ça sèche à l'extérieur et vous la remettez. Et là, elle commence à être un peu plus dure à mettre déjà. Voilà, c'était la technique pour monter les poignées. C'était une vidéo rapide parce que n'y a pas besoin de s'expliquer plus que ça. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 2 litres. Allez pas vider la bombe de lac de votre maman. Hein. Allez les mecs, à plus.